Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette guidance pour ce week-end du 15 et 16 janvier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour ce week-end? Alors, on nous parle de secrets. Une personne a des secrets vous concernant. Est-ce que vous aimez les secrets? Est-ce que vous aimez, dites-moi en commentaire, qu'on vous cache des choses? Vous préférez qu'on vous cache des choses et que vous ne le sachiez jamais? Ou alors, vous aimez bien justement savoir que une personne gardait des choses en secret vous concernant depuis longtemps? Vous voyez, quelque chose que la personne par exemple sait, par exemple là ça peut être le fait qu'une personne a des sentiments pour vous depuis longtemps, qu'elle sait les sentiments qu'elle a pour vous, mais elle a préféré garder pour elle. Mais de façon générale, est-ce que des fois il vaudrait mieux pas, eh bien, ne jamais le savoir, parce que c'est soit vous sachiez, vous préférez le savoir le jour même, que de le savoir au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut même aller plus loin. Et quand je dis on peut aller plus loin, j'ai pas l'impression d'exagérer en disant par exemple, depuis 10 ans, depuis 20 ans, c'est possible également. Mais qu'est-ce que vous pensez des secrets? J'aimerais bien savoir voilà, en commentaire. On a le grand voyage. On a la fête. Vous voyez, je vous disais 10 ans, puis on a la carte numéro 10. Le mot secret, ça me fait penser également à la surprise. Est-ce que vous aimez les surprises? Je dis ça parce que peut-être que vous allez me dire, bah oui, qui n'aime pas les surprises? Mais il y en a qui n'aiment pas justement les surprises. Ils préfèrent pas qu'on leur en fasse. Moi, j'ai une autre question, vous voyez, c'est rare que j'ai des questions à vous poser. Et peut-être que justement, la personne, avant d'aller droit au but, va vous poser des questions, par exemple, à savoir ce que vous pensez d'elle. Est-ce que, bon, dans un premier temps, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Et si oui, est-ce que c'est sérieux? Ou sinon, ben, j'ai envie de dire tant mieux pour elle, pour cette personne. Également, ce que vous pensez d'elle, etc. En fait, cette personne va vous poser des questions vous concernant vous et elle. Quand je dis elle, parce que je dis une personne. Mais justement, vous allez trouver ça bizarre. C'est bizarre, toutes les questions qu'elle me pose d'habitude, ou qu'il me pose d'habitude, il ne me pose pas autant de questions. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il me cache un secret ou des secrets. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose et que là, il souhaite me dire quelque chose, il souhaite me dévoiler. Il y a quelque chose à, comme ça, à déballer, comme on dit. Alors, on a, oui, l'amitié. Vous voyez, j'en avais parlé dans les énergies de ce vendredi concernant justement l'amitié. Mais on voit qu'il y a une personne qui, justement, un ami ou une amie, qui va faire un long déplacement pour venir vous voir. Que ce long déplacement ne lui fera pas peur. Alors, soit, vous voyez, voilà, soit ce long déplacement sera exprès pour venir vous voir, soit qu'elle va en profiter d'être dans le coin pour. Ben, prendre de vos nouvelles pour vous revoir. On nous parle de travail et on nous parle de rencontres. Vous voyez, quand je vous parlais de rencontres, en rapport avec une personne que vous connaissez à travers votre travail,
le métier que vous faites, hein, peut-être, je ne sais pas pourquoi il y a ce que je ressens, qu'à un moment donné, vous étiez amené à faire un déplacement professionnel, que vous avez rencontré quelqu'un, et sans vous douter, parce que vous êtes lié d'amitié avec cette personne, mais vous êtes lié d'amitié avec cette personne, mais possiblement, d'après ce que je ressens, cette personne n'est pas impossible qu'elle ait eu un coup de foudre pour vous, mais n'a pas osé vous le dire, a préféré, on va dire, masquer cette relation par de l'amitié, parce qu'elle ne voulait pas vous déranger. Non, ça, à ce côté, non, ça se fait pas, vu le métier qu'il fait, le statut qu'il a. Non, vous voyez, il y a cette barrière. Les personnes, en fait, mettaient une barrière jusqu'à maintenant, et justement, d'où les secrets. Parce que cette personne, depuis le début, est amoureuse de vous, mais préférait garder, on va dire, s'est contentée de l'amitié que vous lui avez proposée, justement. Peut-être que vous avez fait, vous avez osé, entre guillemets, lui proposer que vous soyez amis. Ben, déjà, voilà, cette démarche, pour vous, c'était un premier pas, mais un grand pas. Et peut-être que vous, c'est, voilà, vous préférez vous contenter que d'amitié, parce que vous également, de votre côté, peut-être que vous ne vouliez pas importuner cette personne. Vous ne vouliez pas passer pour quelqu'un qui drague à tout va. Et que cette personne, justement, également, ne voulait pas que vous pensiez que c'était une personne qui draguait comme ça facilement. Mais en tout cas, il y a un rapport avec votre travail et ça peut être un rapport également avec le fait du travail personnel que vous avez fait sur vous-même, mais je dirais principalement sur le fait, voilà, pas en rapport avec votre métier de façon directe ou indirecte. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est un collègue ou est-ce que c'est une collègue? Parce que j'ai un collègue. J'ai connu une collègue où on était amis, mais elle a été mutée à, je sais pas, de 500, peut-être 500, 400, 500 km. Eh bien, si vous souhaitez des précisions concernant votre situation, parce que là, par rapport à la question, je pourrais dire oui et non, parce qu'il y en a, ça va être oui, il y en a, ça va être non. À savoir, est-ce que ça peut être cette collègue ou ce collègue qui s'est fait muter loin? Eh bien, si vous voulez savoir par rapport à ça, ou si vous avez voulu savoir tout simplement autre chose au niveau sentimental ou professionnel ou autre, eh bien, n'hésitez pas à me contacter via jérôme.energeticien80@gmail.com. Merci pour votre présence. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt.